T'es prête? Je suis prête. Salut, salut. Donc on se retrouve aujourd'hui en compagnie de DJ. Voilà, voilà. Vous l'avez beaucoup attendu. Tu sais qu'on n'a pas arrêté de me dire « Oh, j'ai trop hâte de voir la vidéo, j'ai trop hâte. » Parce que t'as lâché le morceau sur ta chaîne. Oui, j'ai lâché le morceau. Donc je vous mets sa chaîne juste au-dessus de sa petite tête, enfin de sa grande tête, parce qu'elle est très grande. Mais non. Mais si, t'es très grande. Et si vous voulez voir, parce qu'on a fait le teint déjà toutes les deux sur sa chaîne. Regardez comme juste brille de mille feux. Regardez comme elle est belle et tout. Elle a géré du feu. D'habitude, je suis pas belle, hein, mais bon. Bon, disons que là, t'es un peu plus ressemblante à moi. Voilà. Oui, on fera les poses de pestasse après. Ah, t'inquiète. T'inquiète, à la fin, ça. Donc, bien sûr, je vous mets le lien de la vidéo où on a fait le teint en barre d'infos. Voilà. Donc là, on va attaquer les yeux. Alors, c'est DJ qui a choisi la palette. Ouais. Et elle a choisi très soft. Je me suis dit, pour une première, on va faire quelque chose de très, très simple. Voilà. Bam. Voilà. Elle a donc choisi la Carnaval hein, de chez Be Perfect. Alors, bien sûr, je l'ai interdit de choisir les nudes. Sinon, c'est pas marrant. Et elle a donc choisi la colonne des bleus et des verts. Bon, elle fait mon bonheur. Voilà. Donc, on va regarder à ça. Je vais quand même essayer de faire... Essayer... Un make-up assez facile. J'ai pas dit discret, j'ai dit facile. Voilà. Parce qu'il faut quand même remettre les choses en place. Je me maquille que très 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 rarement et très légèrement. Voilà. Genre le teint, mais juste de l'anti-cerne et de la poudre. Voilà. Donc vous doutez bien que. Elle a un petit peu plus de couvrance aujourd'hui. J'ai pas du tout l'habitude de me voir comme ça. Mais ça me plaît. Voilà, elle aime bien. Et elle l'a fait toute seule. Je lui ai juste expliqué, c'est elle-même qui l'a fait. Ouais. Bravo, DJ. Moi aussi, je suis fière de toi. Voilà. Et en plus, ça prouve que je suis une bonne professeure. Ouais, exact. Elle a très bien expliqué. Voilà. Continue à lancer. J'adore ça. Donc, on va commencer. Je t'ai préparé normalement des petits pinceaux aux yeux. Oui. Voilà, voilà. La base. Donc, tu remarqueras qu'il n'y a que 6 pinceaux. Mm-hmm. Il n'y a combien... que 6 pinceaux. Je ne savais pas combien tu en utilises d'habitude. Hein. Et encore, parfois, je prends le doigt. Après, j'utilise très souvent mes doigts aussi. Oui. J'aime bien. D'accord. Donc, on va d'abord prendre le 231 de chez Zoeva. Ça, c'est un des seuls que j'ai en double. Donc, voilà. Alors, on va commencer par... Tu mets pas de base, excuse-moi. Oh, pardon, mais... Bravo, il y en a au moins une qui suit. Je me disais, il manque quelque chose. Donc, je t'ai mis une neuve, là, comme ça... Eh ouais, coronavirus oblige. On fait presque attention. On s'est fait la bise en arrivant, mais là, en vidéo, on fait genre. Pinceau propre, base neuve et tout. Ouais. Voilà, on fait genre. Donc c'est Révolution. Révolution, la Cut Crease Canvas. D'accord. Et tu en mets beaucoup? Moi, bah, j'en mets quoi. D'accord. Donc tu tartines ton yeux. Je fais avec un côté une paupière et avec l'autre côté du pinceau, l'autre paupière. Ouais, c'est étalé après. Hein. Bah oui, je me doute. Mais moi, j'ai une base, mais quand je la mets, je mets une pointe comme ça, et puis mais je mets rien, quoi. Oui, mais tu mets pas de fard non plus, donc ouais, l'un dans l'autre, ça... Vrai, tu repointes ton bout pointu de l'éponge. Yes. Et là, tu blends. OK. Alors, t'étales bien, t'essayes que ça soit une belle couche homogène, et on remonte jusqu'au-dessous du sourcil pour définir le sourcil. OK. Pout, 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 pout. Voilà. On t'en met en dessous. On tape autant. Alors, oui, je reprends un peu le bout de mon éponge et je frotte légèrement mon ras de cils pour en mettre juste un tout petit peu. D'accord. D'accord. Elle est concentrée. Ah, je suis concentrée. Bah, vous pouvez pas imaginer à quel point. J'ai envie quand même de réussir quelque chose, quoi. Donc, et bien sûr, si vous êtes des personnes qui arrivaient de la chaîne de DJ, bah, bienvenue sur la mienne. Voilà. Tu verras, ils sont super sympas, mes abonnés. J'en doute pas. J'espère qu'ils sont juste un tout petit peu moins tarés que toi. Ça, c'est pas sûr. Genre histoire que j'ai pas peur en lisant les commentaires. Mais j'ai des doutes. Voilà. Après, j'adore lire les commentaires complètement what the fuck. C'est blanc, hein? Non, c'est couleur chair. Ah, pardon. La blanche, elle est là. Ah, ok, il y a plusieurs couleurs de base. Oui, bah, cette base-là, il y a par teinte de peau, j'ai envie de dire, mais il y en a que trois. Quoi. Il y a vraiment la claire, la moyenne et la foncée. D'accord. Et la blanche. D'accord. Voilà, voilà. J'ignorais totalement. Tu vois, qu'est-ce que j'en apprends aujourd'hui? Ah, mais j'ai dormi aujourd'hui. Okay. C'est un truc, une concentration Alors, d'apprentissage. Voilà.
Elle a le cerveau qui va commencer à bouillir dans une heure. Donc on reprend notre petit pinceau 231 de chez Zoeva. Mm-hmm. Et on va prendre ma teinte préférée de la palette, je pense, la Showboat. Oui. Showboat. Ouais, toi, tu sais lire sans lunettes. Mais t'as pas de lunettes en règle générale, donc c'est normal. J'en mets quand je dois voir de près quand même. Ouais. Mais ça, c'est l'âge, hein. Ben, oui. Mais... quand on passe la quarantaine à un moment donné. Ouais, mais moi, j'ai des lunettes depuis que j'ai 13 ans. Donc, Ah oui. Après, je suis astigmate. C'est pas pareil. Moi, je suis. Comment est-ce qu'on dit ? Presbyte. Non, c'est pas. Oui. Bon. Depuis, déjà sur sa chaîne, elle parle que de cul de bite, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Ah non, tu parlais de te balader à poil. Si, t'as parlé de ton cul. Si, j'ai parlé de ça, c'est vrai. On est d'accord, t'as parlé de ton cul d'ailleurs. Ouais, exact. Bon, après, c'est moi qui ai commencé, j'avoue. Voilà, donc je vais faire ce que cet œil-là. Normalement, je commence par l'autre, mais comme ça, tu vois mieux ce que je fais. Donc, tu commences par mettre ici dans le creux, dans le coin externe, et en revenant, en tapotant. Je fais le creux, quoi. Voilà. D'abord, tu tapotes, et ensuite, on l'éparpille en frottant. Alors, c'est marrant parce que moi, quand je le fais, j'essaye de temps en temps de faire des trucs. Ça se voit pas. Des trucs what the fuck ? Non, mais ça se voit pas. Là, ça se voit. Bah, c'est la base. Ah. Et puis bon, la qualité de la palette est quand même assez exceptionnelle aussi. Je te l'avoue. Donc ensuite, allez, on continue. On reprend un peu de produit bleu. Enfin, de fin bleu. Le showboat. Tu fais le coin externe. Donc, c'est vraiment le make-up que je fais tout le temps. J'en mets dans le coin externe et puis on blende le creux en même temps pour que ce soit bien homogène. J'ai envie de dire. Oh putain, j'emploie des grands mots des fois. Oh, incroyable. Incroyable. J'ai un vocabulaire de princesse. La dernière fois, je ne sais plus avec qui on discutait, que je disais je suis plus la princesse question vocabulaire et grâce et tout ça. Fiona dans Shrek. Je sais plus avec qui je parlais de ça, mais... La comparaison, ouais. Fiona dans Shrek. Bah écoute, je suis pas du tout Cendrillon, Blanche-Neige, tu vois, la fifi un peu plus cul, là. Mais ouais, Fiona dans Shrek, tout à fait. Voilà, donc du coup, on fait pareil en ratine. Qu'on descend assez bas, hein. Ouais, là, c'est toujours les têtes cheloues. Pourquoi est-ce qu'on ouvre la bouche comme ça? Il y a un lien, il y a quelque chose. Ouais, pourquoi ça... c'est parce que ça empêche de cligner des yeux. Arrête. Oui. Ah bah alors là. C'est un automatisme en fait. Quand t'as la bouche ouverte, tu clignes moins facilement des yeux. Mais me demande pas pourquoi. Il faut descendre plus ou encore? J'en ai pas mis assez, je crois. Ouais, encore un peu. Pendant ce temps-là, j'attaque l'autre œil. Parce que je vais un peu plus vite. Hein. Légèrement. Mais comme ça, ça me laisse le temps après de réfléchir à quelle couleur on va mettre. Ok. Et après, elle va chercher Laura à l'école. Elle va être surprise, Laura. Bah, elle savait que je venais, hein, mais je pense qu'elle va être surprise. Elle a pas râlé quand tu lui as dit que tu venais ? Non. Qu'elle pouvait pas venir ? Non. Oh, bah, je suis vexée, du coup. Oh, merde! Oh, si, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a râlé! Elle avait tellement envie de te voir! Oh, là, là, là! Oh, rien foutre! Laura! Je t'aime plus! Prochaine fois que je te croise, je te dirai plus bonjour. Voilà. Je ferai ma snob. Donc, je blende. Et... Et regardez, elle avance et tout sans rien dire. Hein. C'est bien. Vas-y, continue. Ah, mon fixe qui sonne. T'es. Alors, non, le fixe, tu t'entends même pas. T'entends pas? Ah, bah, décidément, il faut des appareils auditifs. Ouais, ouais, mais t'entends quelque chose? Moi, j'entends rien. Ah, Ginette. Oh, non, merde, Ginette, c'est ma mère. Heureusement, on va pas faire la vidéo. Mais voilà, on va dire Georgette. Hein. Allez, Georgette, attends, et tes fautes qui sonnent, nous dis-tu? Mon mari m'appelle Josiane. Josiane? Alors, je sais pas pourquoi. Bon, on a des surnoms un peu chelous hein, dans la famille. Mon gamin, le Sam, Samuel, donc, il s'appelle Samuel, on l'appelle de temps en temps Sam, mais les trois quarts du temps, c'est Georges. Georges? À cause de Georges de la jungle. Ah oui! Parce qu'en fait, quand il George, était petit, eh ben, les chaises et les tables, elles passaient devant lui. Tout le temps, quand il marchait. On n'a jamais compris pourquoi.
Tu sais, un peu comme les troncs avec Georges dans le film. Du coup, on l'a appelé Georges. Donc, c'est son petit surnom, voilà. Ah, t'as été un peu plus loin que moi, là. Non. Là. Non, parce que t'as des plus petits yeux. Ah, ok, donc je suis pas forcément... Non, c'est bien. T'as bien fait les choses. Bien, bien, bien. Donc, ensuite, on va prendre le petit... t'as un boule un peu plus précis. Toujours ananas ici. Tu l'as. Et on va prendre la teinte... bon, allez, Nuke. On reste dans mes teintes préférées. Alors, le fixe, tu peux être sûr, c'est un démarcheur. Hein. Oh, ça n'arrête pas. Ou alors qu'un vieux qui... J'ai un vieux, la dernière fois, qui se trompait de numéro. Il m'a appelé quand même 8 fois sur la journée. Je lui ai dit, c'est toujours le mauvais numéro, monsieur. Ah bon? Oui. Ah, ah, je suis désolée. Ben, un petit vieux, t'es gentil, hein, je peux pas dire le contraire. Voilà, pauvre petit papy. Puis à la fin, je lui ai dit, donnez-moi le numéro que vous avez. Ben, il me donne mon numéro. Mais je dis, ça peut plus être celui de cette personne-là, puisque c'est nous qui l'avons récupéré, apparemment. Hein. Ils ne font pas des nouveaux numéros. Ouais, ouais, ouais. Hein. Il me dit, ah, c'est possible, parce que ça fait quand même plusieurs années que je l'ai noté dans mon calepin. Ah, effectivement. Ben, je dis, il n'a plus le même numéro, vous ne saurez pas le joindre. Si, si, j'ai un numéro de GSM. Bah, pourquoi t'as pas essayé depuis ce matin? Donc, on le met dans le coin externe. Donc, tu vois, jusque-là, c'est facile. Hein. Pour l'instant, ça va. Mais après, je t'ai dit, je vais te faire un facile. Coloré, mais facile. Je regarde bien comment elle fait, quand même, parce que... Voilà, il faut juste bien blender les bords dans l'eau de bleu. Et puis, tu reviens un petit peu en ras-de-cils. Après, c'est même un make-up que tu pourras reproduire en nude, si tu veux, plus tard. Ah oui, 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 d'accord. Ok. C'est un make-up qui va avec toutes les couleurs, si tu veux. Ouais. C'est un... Bah, c'est une forme classique. Il y a quoi, c'est quoi le nom? Il y a un nom. C'est une forme classique. D'accord. Voilà. C'est pas un cut crease ou un... Non, un cut crease, c'est un peu plus compliqué. Je suis pas sadique à ce point-là, quand même. Hein? J'allais pas pour une première te faire un cut crease, mais pourquoi pas plus tard? Dites-nous hein, en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos ensemble. Parce que moi, j'ai déjà une petite idée d'une vidéo qu'on pourrait faire. C'est vrai? Ouais. Ouais, ouais. Bah, je te dis, mais je coupe au montage. Ouais. Ah, c'est très sympa. Ouais, tu vois, une bonne idée. Hein. Ouais, hein. Bon, je suis en train de faire le deuxième là. C'est bien, t'avances. En fait, je pense que quand je me maquille, je suis trop pressée par le temps et justement, je prends pas le temps de... Je me dis, bah, ça ressemble à rien. Ouais, moi, j'ai pas ce problème là. Moi, j'ai le temps. C'est quand même vachement... Bah, ça va. Après, c'est pas trop étiré, c'est assez discret, c'est bleu, quoi. C'est discret. Bah, tu reprends ton premier pinceau. C'était lequel, hein, c'est celui-là. Celui qui est sale, en fait. Bah, hein. Oui, Et tu reblendes un petit coup les bords ici pour bien intégrer la deuxième couleur. Histoire que ça fasse pas une barre toute bizarre. D'accord. Après, moi, j'étire un peu plus, mais j'ai des plus gros yeux que toi. Enfin, plus grands. Plus grandes paupières. D'accord. Parce que, ouais, j'ai des gros yeux aussi. Ça me fait penser que j'ai faim. J'ai des gros yeux, ça me fait penser que j'ai faim. Parce que tu dois penser au moment où t'as faim. Non, bon, quand j'ai faim, j'ai faim. Ouais, et tu sais que moi, des fois, je me rends compte qu'il est 18h et que j'ai pas encore mangé de la journée. Wow. Ouais, j'ai rarement la sensation. Alors, si vous venez de ma chaîne, c'est une phrase que je ne dirai jamais. Mais j'ai pas la sensation de faim tout le temps, en fait. Oui, bah tu oui. Vois. Donc ça m'arrive de temps en temps. Des fois, je me rends compte que j'ai faim. Et puis des fois, je me rends compte que quand j'ai failli me casser la gueule dans les escaliers au moins 3 fois sur la journée, en me disant, ah, c'est peut-être parce que j'ai pas mangé. Il est peut-être temps. Allez, on va te faire une tâche assez facile. On va y aller avec le doigt. On va prendre la teinte Peppermint. Un petit peu. Elle est trop belle, cette couleur. Et on le met sur le reste de la paupière. D'accord. C'est beau. Bim. Waouh. Que la lumière soit. Ah ouais. T'as vu ça? Alors après, je suis en train de me demander si c'est pas totalement le genre de make-up. Enfin, si, c'est totalement le genre, mais si c'est pas exactement le même que j'ai fait dans la vidéo crash test. Bon, je ne sais pas trop. On s'en fout. C'est trop beau. C'est très joli. T'aimes bien? Oui. C'est très joli.
Tu vois, t'avais peut-être un peu peur des couleurs, mais au final... Oui, non, ben... Alors ensuite, on va prendre un petit pinceau précision, donc je t'ai préparé celui-ci. Mm-hmm. Et là, on va s'extasier avec Ecstasy. Pour le coin interne. Ça, c'est pop. Mais non, regarde, on le voit à peine. Oh, on le voit à peine. Et là, tu mets au-dessus et en dessous. Ouais. Ok. Vraiment dans le coin interne et tu reviens un peu blendé dans le bleu, chaque côté. Je crois que s'il y avait eu dans cette palette-là que ces deux colonnes-là, ça me suffisait, moi, largement. Oh, c'est... Wow. Ouais, c'est très discret. Pour une qui se maquille jamais... Tout est relatif, n'est-ce pas? Pour une qui se maquille jamais, c'est... Waouh. C'est un waouh. Un waouh joli quand même. Ah oui, c'est un waouh joli. Bah écoute. Ça va? C'est bien. Je dépasse pas, madame? Non. Maintenant, on va prendre le gros pinceau, là, pour estomper le bord. Donc là, je suppose qu'estomper, tu te souviens à peu près quand oui, même comment ça, je on sais fait. Comment on fait. Par contre, on a oublié de poudrer l'arcade sourcilière. Il fallait poudrer quoi? L'arcade sourcilière. D'accord. Voilà. Après, c'est pour aider à blender les fards, mais je ne sais pas si tu remarques à quel point ces fards se blendent tout oui, seuls. Oui, c'est très facile. Ils sont d'une qualité. D'ailleurs, il me faut trop la nouvelle qui est sortie. Oh. De cette marque-là? La même, en plus, avec la même... Parce que là, c'est une collaboration avec Stacy Marie. C'est qui, Stacy Marie? C'est une maquilleuse professionnelle. D'accord. Et c'est la troisième collaboration qu'ils font ensemble. Elle est trop belle, la palette. Je te montrerai une photo après. Ouais, elle est un peu très ressemblante à celle-ci, mais c'est pas la même chose. Je suis tombée en... J'ai mis du temps à tester hein, cette palette-là, parce que tout le monde l'a testée il y a plus d'un an. Elle est sortie il y a plus d'un an. Moi, j'ai D'accord. testé il y a un mois. Ok. Mais je l'aime. Je l'aime d'amour. Alors, t'aimes bien? J'aime beaucoup, mais j'ai pas du tout l'habitude. Ah, c'est comme quand t'as changé ta coupe. Hein. Ah, oui. Il a fallu que tu t'habitues aussi. Bah, là, ouais. C'est pareil. C'est joli. Voilà. Donc, on va rester là avec les fards. C'est déjà pas mal parce qu'on n'a pas fini la torture quand même. Alors, un petit peu de crayon noir. Alors, attends, je vais te sortir un que j'utilise jamais. Tiens, le Essence. Merci. Mais attention. Juste en muqueuse supérieure. D'accord. T'en mets pas en dessous. Ah oui, ok. Après, tu peux t'aider de ton doigt hein, si t'as plus facile, mais. Ah, bah, et t'as la non, technique ça et va, tout. Ça, je me souviens, ça. Il y a des trucs qui me restent quand même du début de ma chaîne. Mais. Voilà. Oui, parce que comme je vous ai dit dans la vidéo où les youtubeuses choisissent mon make-up, que DJ avait déjà participé, au départ, sa chaîne était centrée sur le make-up. Et puis, ça a vite viré. Et puis d'un moment, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, boum, ça a changé. Ça a viré, mais méchamment. Un truc de fou. Un truc de fou, et du coup, c'est passé à une chaîne. Je pleure. What the fuck, j'ai envie de dire what the fuck, c'est vraiment ce qui décrit ah bien oui, ta oui, chaîne. Ah oui, il n'y a pas de. C'est très dur à définir ma chaîne. Même moi, je sais pas c'est quoi. Tu fais quoi comme vidéo? Un petit peu du tout. Je sais pas, je suis des connus, oui. J'ai fait des colonies, oui. Ah, c'est normal que je pleure, là. Oui, c'est le chatouillis du truc. Oh. Ça va passer, cocotte, ça va passer. Alors, je vais être sympa avec toi. Ah, mais non, j'en ai deux qui se ressemblent pas mal. Je vais te filer le Révolution. C'est à peu près la même chose. C'est pas du liner? Si, mais pailleté. Je sais pas mettre de liner. Le liner pailleté, c'est obligatoire sur ma chaîne. D'accord. C'est ma marque de fabrique. Normalement, j'en mets dans le semi-cut crease et en dessous de mon liner. Là, on n'a pas fait de liner, donc on va juste en mettre dans le semi-cut crease. À savoir que j'ai de la paupière tombante, c'est pas un problème. Ça sera pas l'idéal, mais il faut juste que tu mettes un petit peu. Oui, c'est vrai que pour toi, ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors, toi, ouais. Tu vas le mettre en coin interne, juste un petit D'accord. peu sur le verre. Moi, je vais le mettre où je dois le mettre. D'accord. Donc, je fais une petite touche sur le coin interne. Voilà. Pour mettre juste un peu de paillettes. Mais moi, je peux pas rester comme ça sans liner et sans liner pailleté en prime. Là, c'est de la torture, hein, cocotte. Tu es ma mort, hein. Mais c'est vrai que pour les paupières tombantes, c'est pas l'idéal. Et en plus, il faut
Il faut le faire avec le, au-dessus du creux naturel pour que ce soit un peu joli et que ça se voit. Et moi, le creux naturel, bah, il est énorme, quoi. Je veux dire, c'est une fosse. Donc, à un moment donné, je sais rien mettre là-dedans, moi. Après, moi, les paupières tombantes, c'est pas ce que j'ai l'habitude de maquiller non plus. Donc, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Mm-mm. Comme quoi, tu vois. On réfléchit à deux. On y arrive ? On y arrive. Un cerveau pour deux. Voilà. Je vais quand même mettre aussi un petit peu en coin interne parce que sinon c'est pas beau. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Le crayon en muqueuse. On l'a déjà mis. En muqueuse inférieure. On va mettre le Colourpop qui est le. Je sais pas lire. Je sais même pas où les noter là-dedans là-dessus. Viens, essaye de lire. C'est rien, moi. Non, sérieusement, je vois pas. C'est le Icebreaker, je crois, ou un truc comme ça. Je dis pas. Un truc comme ça. Et donc, on met celui-là en muqueuse. Oh, j'ai fait un peu trop sourcil. J'adore ces crayons. J'en ai qu'un. Je viens de tester il y a pas longtemps. Mais il faut que ils vendent une toute grande plaquette. Mais elle est trop chère. C'est quelle marque, ça? Colourpop. Colourpop. Oui, je découvre des choses, moi. Ça, ça vient des États-Unis. Alors, les frais de douane. Laisse tomber. Moi, je fais livrer chez mon frère, comme il habite du côté français. Ah ouais. Comme ça, il n'y a pas de frais de douane, parce que pour la France, ils peuvent anticiper le paiement des frais de douane, mais pour la Belgique, non. Alors qu'on est à 900 mètres. J'habite à 900 mètres de chez mon frère, donc la frontière est à 50 mètres, je crois. Ouais, voilà. Mais on habite apparemment le trou du cul du monde. Ok. C'est bon pour ça. Alors, verdict jusqu'à maintenant, ça te plaît quand même? Ça me plaît, mais non, on dit ça me plaît, forcément ça me plaît. Alors, on va finaliser les yeux avec le mascara. Donc, choisis ton arme. Hein. Tu es pas moi. Je vais laisser après. Moi, j'aime pas les mascaras qui font des pattes d'araignée. Je supporte pas ça. Tu préfères le discret. Donc, voilà. J'ai qu'un de ces deux-là. Le Tarte, ou ça, c'est Golden Rose. Bah, les Golden Rose. Hop. Donc, moi, je vais prendre celui qui fait les pattes d'araignée. Moi, j'aime pas du tout, tu vois. Ah, si, moi, il me faut du coup. À cause de ma paupière tombante, en général, quand j'en mets, et ça me va sur la paupière et ça m'énerve. Ah, mais il faut attendre qu'il sèche alors sans trop lever les yeux. Faut rester comme ça 3 heures. Bah, peut-être pas fermé, mais sans trop lever les yeux. Donc là, tu mets une première couche, ensuite on attend que ça sèche un petit peu, et on mettra une deuxième couche pour un max de volume. Ouais. Ils n'ont tellement pas l'habitude d'avoir. Du mascara ? Ils se mettent pas. T'es en train de faire peur à tes oursies, ils se barrent, à tes cils, ils sont en train de se barrer, ils se cachent. Je vais sécher. Les fossiles, t'en mets toi? Ouais, pas tout le temps, mais j'en mets. Donc pour les cils du bas, je prends celui-là, parce que regarde. Ah, c'est magique. Alors Laura, elle a trouvé des fossiles magnétiques. Ouais, j'aime pas ça, moi. C'est-à-dire que tu mets l'eyeliner, et l'eyeliner, il est magnétique. Et ouais. Pop, ça se met tout de suite dessus. J'ai jamais essayé avec l'eyeliner, mais... C'est mignon, maintenant... Moi, je mets des fossiles classiques. Parce qu'au final, une fois que t'as l'habitude de mettre des fossiles, même avec la colle, ça te prend autant de temps que du mascara, quoi. Alors, je sais pas si c'est ton mascara qui est magique, mais ça n'a pas du tout bavé sur ma paupière dessus. Ça doit être mon mascara que c'est la merde, à mon avis. Peut-être. T'as quoi comme mascara? Un des plus connus, là, tu sais, le jaune. C'est un Maybelline, je crois. Colossal? Ouais. Peut-être trop grosse, ta brosse. Peut-être. Et là, ça, j'ai un. Alors que d'habitude, ça me fait des pâtés de malade sur la paupière. Non! On en a fini avec les yeux, quand même. On va pas trop exagérer pour une première. Mais et ça te va bien, hein, le bleu. Si je c'est du beau bleu. Hein. C'est beau. C'est du magnifique bleu. Il est très beau. J'adore cette palette. Il est très, très beau. Je suis totalement fan. Bon, les lèvres. Carnage.
Il y a ça. Ça aussi. Il y a tout ça, il y a tout ça. Je mets jamais de rouge à lèvres. Tu mets jamais de rouge à lèvres. Jamais. Et quand tu mets, c'est dans quelle teinte? Bah, c'est du gloss, quoi. Je t'assure, ça ne me va pas. Enfin, moi, je trouve... personnellement, voilà, c'est peut-être... Moi, je vais être gentille avec toi, on va te trouver quelque chose de soft, parce qu'après, tu dois aller chercher Laura. Je vais pas te faire mettre du noir maintenant. Non. Non. Du noir ? On peut mettre du noir sur sa bouche ? Oui, ça, je me doute. Eh ben, écoute, y a une marque en particulier que tu as envie de tester ? Jeffree Star. Oh. Ah, ouais, t'arrives, les rouges à lèvres liquides, tu supportes ? Oui. Jeffree Star, alors je vais te mettre le Christmas Cookie, c'est le nude. Merci. C'est le nude préféré. C'est un Jeffree Star. Oh, Jeffree Star. Et moi, je vais mettre... Bon, toi, à mon avis, tu vas te lâcher. Bah, je vais quand même pas mettre le noir, je l'ai mis hier. Je vais mettre le NYX Suède en teinte. Moonwalk, je crois. Ouais, c'est ça, hein, Moonwalk. Okay. Elle est de grand-mère. What? Georgette, va voir. Donc tu vois, c'est très discret. Voilà, fais-toi plaisir. Bon. Allez. Eh, il a sorti mon filet presque. Bien sûr, on parle pas en mettant de rouge à lèvres. Je l'ai fait la dernière fois, hein. C'était bizarre. Le rendu était bizarre. Et je suis en train de le refaire encore maintenant, j'ai envie de te dire. Très joli. Super discret, super joli. T'aimes bien ? Très agréable. J'adore ça. Alors pour enlever l'excédent, pour éviter d'en avoir sur les dents. Pardon, j'allais prendre celui-là. Je suis désolée. C'est coupé. Voilà. Tu vois, tu te souviens de ça ? Si, ça, je m'en souviens. Non, mais non, depuis que Marion Camélon, elle a dit, il y a tout le monde qui fait comme ça. Ah, c'est pas très... Bon, c'est plus facile à nettoyer que le doigt, tu me diras, oui, mais... c'est moins... C'est l'amour. Exactement. C'est moins classe. Donc, hein. Voilà le résultat final. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? J'aime bien. T'aimes bien ? J'aime beaucoup, c'est super joli. Parce qu'elle m'a quand même dit... tu m'as envoyé un message à la fin, t'as dit quoi ? Que tu voulais pas sortir de chez toi en ressemblant à un clown. Je me suis dit, c'est sympa, ça veut dire qu'en règle générale, j'ai l'air de Poncho le clown, je sais non, pas. Mais comparé à ce que moi je fais, ça a rien à voir quoi. Donc là, pas clown, on est non, d'accord, non, t'as pas, clown. L'air d'un clown. Ah non, j'ai pas l'air d'un clown, mais je suis hyper maquillée, pour moi je suis hyper maquillée. Bah, t'es hyper maquillée. On est d'accord. On est d'accord, ça va faire 3 heures qu'on se maquille. Donc voilà, je sais pas. Alors maintenant c'est le mode on pose comme des pétasses. Ah oui, là c'est le moment où on va poser comme des pétasses. Ouais. J'ai pas l'habitude non plus de faire ça. Quelle magnifique miniature! Je pense que nous avons trouvé notre miniature gagnant. Je pense. Mais maintenant, il faut arrêter de rire. Ah. Sinon, on va pleurer. Ah merde, oui. Et on va faire couler le maquillage. Donc, il faut être trop sérieuse là maintenant. Bah ouais, écoute, attends, on vient de passer 3 heures de travaux là, c'est bon. C'est clair. On va pas tout gâcher en 5 minutes. C'est très joli. Après, une fois qu'on a appuyé sur off, on s'en fout. Ouais. Tu vois? Non, mais j'aimerais quand même bien montrer le résultat à Richard ce soir. Donc, j'essaie de pas trop. Donc, en clair, maintenant, il faut qu'on discute de sujets sérieux. Ça va être dur. On va essayer de deviner pourquoi les cochons ont la queue en tire-bouchon. C'est une très bonne question. Je ne me la suis jamais posée. Non, moi j'arrête pas avec cette question-là en c'est ce moment. Ça te hante ? Ça me hante. Il faut qu'on trouve la solution. Pourquoi ils ont la solution ? Pourquoi ? Et pourquoi on dit queue en tire-bouchon puisque logiquement le cochon est arrivé sur Terre avant le tire-bouchon ? Exactement. Toi, t'es bizarre. Et après, on dit, j'ai fait des vidéos bizarres. Le sujet. Voilà. Je pense qu'on en épiloguera dans une autre vidéo. Oui. On trouvera un peu des sujets comme des sucettes. Des sujets. Nous allons trouver des sujets. Voilà. Calmons-nous. Nous allons clôturer cette vidéo ici. Donc, j'espère franchement que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Il y a intérêt.
Il y a intérêt. Il y a intérêt d'aller voir la première partie sur la. Il y a intérêt aussi. Voilà. Allez vous abonner, elle a tellement peu d'abonnés. Allez lui faire quelques vues, la pauvre. Oui, je grappille, j'essaie. Bon, mais ouais, tout le monde. De toute façon, c'est comme ça que ça marche hein, sur ça YouTube. Devient dur. Non, les gens sont durs, hein, ma petite dame. Voilà, je sais pourquoi elle est là, c'est clairement pour se faire de la pub, mais j'ai eu pitié. Je grattais à sa porte tous les jours. Voilà, donc je me suis dit, même une star telle que moi peut ouvrir sa porte. Non, allez, soyons sérieux. Je vais pas y arriver. Donc voilà, mais déjà, merci d'avoir pris le temps. Bon, bah, déjà d'avoir proposé, parce que c'est ton idée. Ouais. Et d'avoir passé du temps. C'est un pur plaisir. Bon, on n'a pas fini de passer du temps ensemble. Non, je vais pas la mettre dehors maintenant que c'est fini. Hein. Je pense que c'est un bon début de quelque chose qui est en train de. Voilà, c'est. Voilà, je pense qu'on peut se marier plusieurs fois. Se marier ? Se marier. Mais écoute, pourquoi pas ? Se marier, disons qu'on doit d'abord payer le divorce avec nos hommes et tout. Ça va être un peu compliqué. Je suis pas encore mariée. T'es pas mariée, Christine ? On devait se marier en mois de septembre. Ah à putain! À cause de cette putain de virus! On a du tout annulé. Oh merde, oh, ça c'est dégueulasse. Mais en même temps, je me dis que bah, comme ça sera plus tard, je serai peut-être invitée cette fois. Exactement. Ouais, mais j'ai un autre mariage qui s'est annulé, un baptême. Ouais, c'est une pas le mien parce que moi c'est déjà fait depuis trop longtemps. Non, mais, c'est une catastrophe là. Ouais, c'est vraiment la merde pour tout. Heureusement qu'on a de quoi se changer les idées, ouais, notamment avec la chaîne de DJ. Donc si vous voulez vous éclater, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, si vous voulez. Prendre votre dose d'antidépresseur, c'est là-bas que ça se passe. Donc, vous l'avez sur sa chaîne dans le petit i, la vidéo du teint en barre d'infos. Ouais. Donc, voilà, n'hésitez pas. Nous, on va vous laisser là. Maintenant, on va aller se boire le café. Ouais. Peut-être penser à manger un jour. Oui, parce que t'as rien mangé, je crois. Non. Bon, bah voilà, on va aller la nourrir. Je me nourris de café principalement, en principe, le début de journée jusqu'à 14, 15, 16 heures. Oh la vache. Possible. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes des nouveaux arrivants grâce à DJ, abonnez-vous, activez la petite cloche, venez vous amuser. Et voilà, on se retrouve, je ne sais toujours pas quel jour va sortir la vidéo puisqu'on n'en a toujours pas parlé. On verra bien. Donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous dis bisous bisous. Ciao.